Bienvenue à tous pour le défi des deux carrés. Il s'agit d'un défi niveau seconde. On se donne au départ un segment AB de longueur 7. On place un point M variable sur le segment AB. Et à partir des segments AM et MB, on construit deux carrés, en vert et en bleu sur la figure. Et on s'intéresse à la somme des aires de ces deux carrés. Par exemple, actuellement, la distance AM est égale à 2. Par soustraction, on en déduit que la distance MB est égale à 7 moins 2, donc 5. L'aire du carré vert, c'est 2 au carré, donc 4. L'aire du carré bleu, c'est 5 au carré, donc 25. Et la somme des deux aires vaut 29. Évidemment, si on bouge le curseur qui commande la distance AM, tout va changer. Par exemple, ici, voilà, la distance AM vaut 6, son aire c'est 36, la distance MB vaut 7 moins 6, donc 1, et son aire c'est 1 au carré, donc 1. La somme des deux aires est égale à 37. Alors la question c'est la suivante, pour quelle valeur de la distance AM au singulier ou au pluriel, la somme des aires des deux carrés est-elle égale à 30? À 30. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.